Le lendemain, comme il n'était pas parti, je compris qu'il faudrait que je m'habitue à lui. Ce ne fut pas facile. Mais au bout d'un moment, je me suis dit que j'avais plutôt de la chance. Quand je pensais à ma voisine. Mon homme à moi ne disait jamais rien. Il ne faisait jamais d'histoire. Aussi, ce fut un choc quand il partit. Ensuite, beaucoup d'autres hommes sont entrés dans mon ventre. Mais ils étaient toujours soit trop gros, soit trop maigres, soit trop grands, soit trop petits.